Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté. Que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Réveilles-tu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonce ta délivrance à tout cœur brisé, contrit. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis et sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Es-tu fatigué de chercher l'arc-en-ciel? Es-tu fatigué de chercher le soleil? Laisse tes ennuis, les soucis de ta vie. Au pied de Jésus, abandonne-les. Donne tout.
Jésus, cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Donne tout à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Il n'a jamais dit d'oublier l'arc-en-ciel. Il n'a jamais dit d'oublier la pluie. Il a seulement dit de croire en son amour, de lui abandonner tous tes soucis. Donne tout à Jésus, cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Donne tout à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Donne tout à Jésus, cœur brisé, cœur fatigué, rêve déçu. Chers amis bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis content de vous retrouver en ce vendredi matin, 8 octobre, pour que nous soyons capables de passer ce moment nous dans le pied maintenant. À tous les amis qui déjà branchés un peu partout, nous souhaitons la bienvenue à l'heure de la délivrance. Je voudrais présenter des excuses à tous nos amis qui étaient dans l'impossibilité de suivre le programme sur les réseaux sociaux hier, parce que moi j'ai eu une difficulté avec mon ordinateur. Moi j'ai pensé que c'était problème internet, problème network, non, mais c'est pas ça. C'était yon computer qui a un problème. Donc, jusqu'à présent, on est capable de voir et que l'apparence non, il n'est pas même genre. Donc, parce que pour le computer, toujours un problème, il est en réparation. Cependant, le Seigneur, il aide moi quand même pour que je sois capable d'utiliser l'autre alternative pour que je sois capable de faire ou vivre l'heure de la délivrance sous réseaux sociaux matin. Donc, on a présenté excuse avec façon que l'y présenter, l'y pas bien même apparence, non? Mais quand bien même, nous dit bon Dieu merci parce que l'y utiliser toute intelligence que l'y ban nous pour que moi t'es capable faire ou suivre en direct l'heure de la délivrance en ce matin, vendredi 8 octobre, pour que nous soyons capables de passer ce petit moment maintenant.
à toutes amies qui déjà branché que sur Facebook, que sur réseau téléphonique là, nous souhaitons le bonjour et nous souhaitons que vous capable passer un bon moment avec nous là puis maintenant. Et pour que nous capable débuter le service de ce matin, nous voulons un gros coup de chapeau aussi bye. Yon zami nou kap koute nou depuis la France, c'est notre bien-aimé sœur Céline. Céline, nous content parce que ou t'es inquiété, ou t'es vraiment inquiète. Donc nous content que ou t'es voyé yon ti note bon moi pour que ou connaît qui Jean que mien est-ce que moqué parce que depuis la France ou doit pe suivre l'heure de la délivrance depuis longtemps et ouais que ou pas tendel hier matin. Eh bien notre sœur Céline. Donc nous content et que moi voyons beaucoup de chapeau bao et continuer suivre programme là et encourager l'autre à brancher aussi dans pays la France. À toutes amis nous quel que soit à côté que vous écoutez nous, eh ben nous content que vous avec nous et nous souhaitons bienvenue. Pour débuter, nous avons invité vous à chanter ensemble au numéro 12 des hymnes et louanges. Oui, je bénirai Dieu tout le temps de ma vie. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux.
Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez en ce matin, peut-être ou encore dans Chamon, pour quand même lever sous cabane, peut-être ou déjà à travers les rues ou à peu naviguer pour que vous capable de retourner à la caille ou rentrer à la maison. Mais quel que soit à côté que vous ayez, n'a pas d'eau pour que vous prenez position pour la prière. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Dieu des cieux, c'est avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'allégresse que nous prosternons, nous courbons, nous agenouillons, nous inclinons devant ta majesté bénie en cette matinée. Nous venons devant, Seigneur, pour que nous disions merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes merveilles, pour les soins jaloux que tu prends de nous. En ce matin, tandis que nous venons dans pied, nous connaissons que présence parmi nous en esprit, c'est notre assurance. N'a pas d'autant prie, Seigneur, jeter un regard de pitié, jetez un regard favorable sur chaque petit yo qui branché sur réseau yo matin pour que nous capables passer ce moment ça dans pied. Nous connaissons un moment passé dans pied niveau plus que 10 000 ailleurs. N'a pas d'autre moment ça on va bénir tout petit yo qui déjà branché sur réseau yo. En pile dans yo, yo a fait face à des difficultés. En pile dans yo, yo gain yo dans souffrance. En pile nan yo Seigneur, yo gen un mot que a pe fait face à lui-même. Mais nan mando nan bonté ou nan grâce, permet que service ça li capable porter pour yo timoso l'espoir, li capable porter pour yo encouragement et qu'ainsi yo capable senti présence sou nan mitan yo. Père, béni tout si la yo qui déjà branché et l'autre qui a fait plan pour que yo rejoigne nous. Permet que vous capable joindre nous sur réseau yo et que vous capable passer ce moment ça dans pied aussi. Tant des cris nous, tant des prières nous, que chaque ça qui va le faire sur réseau en capable faire seulement pour glorifier nous et pour édifier nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus nous prions. Amen. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30, à toutes amies qui déjà branchées sur réseau yo, eh bien, nous souhaitons le bonjour et nous souhaitons à vous-même une bonne participation à programme là matin. Et pour que nous capables passer dans la vigile matinale comme d'habitude, nous avons invité à chanter le chantème inséré au numéro 580. 580, le chantem à ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. Messieurs, la vigile matinale
pour ce matin, nous trouvons dans le livre La puissance de la grâce, écrit par la servante du Seigneur, qui est intitulé Prier. Prier. Pour jeudi 8 octobre, non, vigile matinale, non, que nous trouvons dans le livre écrit par la servante du Seigneur, intitulé La puissance de la grâce, et bien pour titre Prier. Selon le verset à mémoriser que nous trouvons dans Luc chapitre 9, le verset 23, il est dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est avant tant dit pour former caractère, non. C'est bon Dieu lui mandé non pour que nous capables toujours rester attachés à lui-même et pour que nous capables rester dans la prière. La prière quotidienne lui aussi indispensable à la croissance en grâce et à la vie spirituelle elle-même que l'aliment matériel au bien-être physique. C'est vrai que nous disons pour que nous prenions habitude, pour que nous capables élever tout le temps penser nous yo à bon Dieu par la prière. Il dit si la pensée divague, il faut que nous capables ramener en arrière. Et en pile l'effort persévérant, capable de rendre ça facile. Il dit, il n'est pas prudent pour que nous capables éloigner nous, même pour un seul instant de Jésus. Nous pouvons nous assurer sa présence à chaque pas, en nous conformant aux conditions qu'il a posées lui-même. La religion, mesdames, messieurs, nous dit la servante, doit être l'affaire principale de la vie, à laquelle tout le reste doit être subordonné. Et toute énergie nous yo, toute énergie konon, esprit nous, doit pour que yo capable engager yo dans la lutte chrétienne. Parce que la servir Dieu est donc une lutte. C'est donc dans une bataille, que vous êtes engagé lorsqu'on prend détermination pour que vous marchiez avec bon Dieu. Voilà pourquoi il est important pour que vous capable chercher force. Il est important pour que vous capable chercher appui, pour que vous capable chercher concours bon Dieu, parce que c'est lui-même seul qui est capable de baouli. Sans quoi Satan lui va faire de vous-même sa proie. Dès le commencement de la journée, nous pas doué pour que nous négliger, pour que nous vinn en pied bon Dieu, pour que nous capable mander pour que lui secourir nous, pour que nous communiquer avec lui dès le matin. Jean que nous a fait avec l'heure dans l'heure de la délivrance dès le matin, nous besoin pour que nous consacrer un petit moment pour que nous vinn communiquer avec l'Éternel, parce que c'est là seulement que nous capable jouer une force nous. Nous avons besoin d'appui. Et servante nous continue pour dire, le Seigneur l'a répondu toujours à prière fervente qui fait avec foi et contrition. Et nous besoin pour que nous apprenions si nous nous jeunes yo pour que nous capable vienne porter fado yo, vienne porter anxiété yo by Jésus chaque jour, et pour que nous capable rassurer jeunes nous yo et ti moun yo que quel que soit ça que y a fait face, donc Jésus là pour que le capable aider yo, pour le secourir, pour le venir en aide yo, et les papes jamais abandonner yo. C'est vrai qu'on dit nous devons pour que nous capable très fervent, pour que nous capable très décidé, en d'autres termes pour que nous déterminer, nous devons pour que nous capable rappeler dans prière nous yo, rappeler à bon Dieu promesse li yo que li fait à nous-mêmes,
li te fè a grand-parent nou yo, nou dwe pou ke nou rappele bon Dieu sa. Lè nou rappele bon Dieu sa, sa pa ve di ke bon Dieu se nou fè le sonje. Parce que bon Dieu li connaît sa ke le fè déjà, sa ke li fè pou parent, grand-parent nou yo. Mais en tant qu'enfant, en tant que timoun, c'est une bonne chose lorsque nous avons rappelé bon Dieu ça te promet nous lorsque nous ouais nous poko ka joine yo et lorsque nous agit comme ça donc nous montrer bon Dieu tout bon que nous dépend de lui-même servante n'a continuer pour le dire n'exigez pas qu'il agisse à votre garde d'une manière déterminée avant de croire que vous recevrez l'objet de vos requêtes mais fiez-vous à sa parole remettez toutes choses entre les mains du Seigneur pleinement persuadé qu'il fera droit à votre demande. Et la réponse viendra au moment de la manière que votre Père Céleste jugera convenable. Enfin, vous avez besoin pour conformer la vie ou à prière que vous faites. Ça veut dire, si vous avez demandé bon Dieu, vous avez prié bon Dieu chaque jour. Donc, il faut que vous conformez pour mettre en harmonie avec le principe lié. Parce que ou pa ka marcher jongler ou a piétiner commandement bon Dieu au principe que le ba ou et puis chaque matin ou pral vinn nan pied ou a vinn crier et ben le ça c'est ou a crier pour grand merci ou a parler pour grand merci parce que vie ou pas en harmonie avec salman do pour faire yo marcher humblement et aller de l'avant avec persévérance lorsqu'on assuré ou que ou présenter devant bon Dieu avec un cœur qui contrit ou présenter devant bon Dieu avec un cœur qui repentant ou présenter devant lorsque ou mettez ou en règle avec lui ou en harmonie avec parole li yo et ben quel que soit ça que ou mandé li ou mettre rester tendre avec persévérance que ou va trouver selon volonté selon plané ça que ou a mandé et ben c'est là que petit bout de résumé pour dans dévotion matin vigile matinale là que m'pote ba ou qui sorti dans livre qui écrit par la servante du Seigneur Ellen G. White qui intitulé La puissance de la grâce. Et maintenant mesdames messieurs, vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Yon fois encore nous on salue toutes amis auditeurs nou yo et qui branché à l'heure de la délivrance matin et nous a présenté excuse nous parce que hier matin moi t'ai fait face à une difficulté un problème technique avec un ordinateur yo pas capable diffuser programme dans sur réseaux sociaux et mais programme là t'est diffusé quand même sur le réseau téléphonique avait dit que non pas perdu tout le monde jodi un problème n'a pas encore résolu c'est ça qu'il faut ouais que émission wa li gen l'autre apparence parce que c'est une alternative que moi utiliser pour que me capable diffuser programme nan à ou même sur tout réseau sociaux gens que nous habitué fait donc nous espérer sous peu ordinateur nan capable réparer li nan shop donc nous capable retourner avec même apparence que nous toujours offri à l'heure de la délivrance et nous avons gros coup de chapeau by notre bien-aimé sœur Céline qui trouvait dans le pays la France, qui était vraiment inquiété hier, il était écrit, même connaît que c'est un bon ami, l'heure de la délivrance que l'il est depuis longtemps, et ça t'inquiétait parce que le programme n'a pas diffusé. Eh bien, les amis, il faut connaître que c'est un problème que nous gagnons, le problème n'a pas résolu très bientôt. Donc, jeudi matin, pour journée vendredi, moi, je joins quand même une façon d'utiliser une autre alternative pour que je sois capable de faire ou vivre en direct, l'heure de la délivrance. Et maintenant, voici le résumé de la leçon de la semaine. Comme on connaît, mes bien-aimés, nous avons étudié la leçon 2. La leçon 2, la deuxième leçon du trimestre, qui vient pour titre le cours d'histoire de Moïse. Le cours d'histoire de Moïse. Et selon le verset à réciter, que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 et 4. Il est dit, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ.
Mesdames, messieurs, nous te faire connaître dans le son, dans selon introduction, nous te faire connaître que Moïse l'été, bon Dieu t'a choisi monsieur pour la délivrer peuple Israël là qui était dans esclavage en Égypte. Mais nous montrons côté que Moïse, nous montrons qui Jean la vie monsieur t'a yé et côté que monsieur t'a sauvé des eaux. Côté que parents monsieur t'a épargné Moïse à désastre, à catastrophe côté et tout enfant mal t'es de mourir. Et côté que loi t'est passé mais famille parents Moïse yo pas de perdu monsieur et pendant que monsieur était petit bébé pendant que tout petit bébé a massacré tout petit bébé mal dans pays hein et parents Moïse yo t'est metté monsieur dans basket à mettre le sous fleuve là et c'est ainsi que pendant que petit roi Pharaon pral baigner et il découvrit basket là et c'est comme ça Moïse t'est sauvé des eaux. Maintenant nous voit que bon Dieu à travers l'histoire, bon Dieu sauve Moïse et lui utiliser Moïse pour que le racheté peuple. Non, Moïse toujours prêt pour que le défende peuple. Il y a pour qu'on tout ça qui est passé lorsque Monsieur était dans Palais. Maintenant, ministère de Moïse que nous avons fait parler sur lui dans la première partie, en partie dimanche. Non, côté que nous avons montré tout au long de la Bible, Moïse toujours a intercédé pour peuple bon Dieu. Nous voyons que Moïse n'a écrit lui. Dans le livre, dans le Pentateuque, non, qui vient 5 livres qui est écrit là-dedans par Moïse, livre, ban nous détail de la création, ban nous détail de la chute de l'homme, ban nous détail de la promesse de rédemption que bon Dieu fait à nous-mêmes, ban nous promesse ou déluge, ban nous raconter nous histoire de déluge, non, raconter nous l'histoire d'Abraham, l'évangile, etc. Donc, nous voyons que Moïse, livre, fait un grand impact, fait une grande influence sur l'humanité entière. Moïse, nous capable ouais que mes bien-aimés, après que les bon Dieu choisit pour la de sauver peuple Israël, retiré en esclavage en Égypte après près de 400 années bien sous tutelle égyptien yo qu'a fait passer misère, eh ben nous ouais que Moïse t'a accepté ça que bon Dieu t'a demandé, mission que bon Dieu t'a bali. Et bien, à travers mission, à travers ministère Moïse, à plusieurs reprises, lui résonner avec bon Dieu. Lui résonner avec bon Dieu, lui intercéder pour peuple, non, à plusieurs reprises. Donc, nous voyons que Moïse, lorsque il est arrivé sur montagne, non, côté que il était passé 40 jours là, dans le pied de l'Éternel, il était laissé peuple, non, en bas montagne, non, nous voyons que lorsque monsieur retournait avec deux tables de pierre, non, eh bien, nous voyons lorsque li wè peuple nan fait un vaud don, li wè que peuple nan abandonné bon Dieu, yo fait un vaud don, eh bien, Moïse te fâché, te crasé table de pierre nan, nous kon histoire nan. Cependant, ça pour nous retenir nan partie ça, c'est que gon paquet leader, zanmim, yo, au lieu pour que yo capable influencer peuple nan, yo laisse yo influencer par moun yo. Gon paquet leader, au lieu que yo capable yon leader, eh bien, yo vin. Yon moun kap suiv moun tout. C'est ça qui fait ça qui arrivé à Aaron, le frère de Moïse, soi-disant un prophète qui ensemble avec Moïse, bon Dieu t'a metté sur côté Moïse. Et ben ouais, c'est même Aaron ça qui encourager peuple non faire vos dons parce que c'est lui-même qui mandé tout ça que vous gagnez pour que le faire vos dons. Et ben ouais que Moïse était si tellement fâché, il retournait côté l'Éternel, il dit l'Éternel, on connaît que peuple n'a péché. Nous connaissons que le peuple n'a fait ça qui n'est pas bon. Cependant, je demande pour pardonner le peuple. Et si vous ne pardonnez pas, retirez l'homme dans le livre de vie. Ça, c'est un gros bagaille. Moïse demandait bon Dieu pour porter péché le peuple. Tandis que Moïse n'est pas même là, il n'est pas connaît rien dans sa moune de faire. Et bien, ça, c'est un petit crasse que nous avons dans le ministère Moïse. Donc, il y a un leader. Ou besoin pour que si ou y a un vrai leader. Ou besoin pour que vous capable porter péché peuple nan tout. Lorsque peuple nan font bagaille, faut ou pas doit devant l'Éternel pour demander pour bon Dieu châtier mon nan, pour bon Dieu punir mon nan, pour bon Dieu effacer mon nan, ou besoin pour intercéder comme Moïse, demander bon Dieu pour lui pardonner mon qui font du tort. En tant que un leader, demander bon Dieu pour pardonner mon qui mettait problème nan. Cependant, si que mon ça lui refusait pour que le changer
de direction. Son bagage qui normal frette l'Éternel à Kalel. Mais ou même en tant que leader, c'est pas devoir pour que roi mande bon Dieu pour punir mon nom. Quitter bon Dieu prend ça en charge. Si que mon nom mérite puni, bon Dieu a puni. Mais c'est pas devoir en tant que leader pour mande bon Dieu pour lui puni pour détruire mon qui fait mal là. Et maintenant ouais, c'est ça que Moïse, c'est comme ça que il t'a agi. Dans partie lundi, on t'a parlé de prophétie accomplie. Prophétie accomplie, c'est que nous capable comprendre que tout ça que l'Éternel dit, il y a accompli. Nous ouais que en pile prophétie dans Bible dans livre de Théonome là, côté que bon Dieu te promet peuple là, il te dit la paix mène yo dans le pays de Canaan. Donc ça c'est ton prophétie et nous ouais que prophétie ça il y a accompli parce que bon Dieu pas jamais yon Dieu pour mentir, li pa jam et couché bon parole que le dit. Quoi que lorsque peuple nan Moïse rivé avec yo, Moïse rivé avec yo à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea c'est une zone tout près dans frontière nan, côté que peuple nan était presque rentré. Eh ben là, bon Dieu t'est parlé avec Moïse pour que le parler avec peuple nan. Et c'est ça que fait non ouais dans Nombre chapitre 14 34, côté que il dit selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours, vous serez chargé de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour. Ainsi, vous assurez ce qu'est ma disgrâce. Nous voyons que côté peuple est révolté à Kadès Banea, côté que bon Dieu t'a demandé Moïse pour le voyer des espions pour aller explorer Vilan, et nous voyons qu'il mauvais rapport qui révolte que des vins lagués dans le temps peuple. Yo te vini a fait peut-être peuple là pour que yo révolté mandé Moïse pour que yo retourner back en Égypte. Et ben nous ouais te gain deux monde seulement qui t'est campé qui t'est défendre Moïse. Il t'est dit non pas besoin bail tête nos problèmes si que nous rester attaché à l'Éternel. Et ben dans pays ça c'est vrai gain gros géant là-dedans, il pas facile mais avec l'aide de l'Éternel n'a pas rentré et d'après votre victoire. Et messieurs l'autre 8 espions yo à tout reste peuple qui t'a suivi espions yo, eh ben yo t'est levé contre Josué avec Caleb pour que yo capable dévorer monsieur ça yo. Et nous ouais colère bon Dieu t'est frappé yo côté que bon Dieu t'est tracé un exemple. Donc prophétie accomplie, nous il fait allusion aussi à ça que livre Daniel nous rapporte nous dans Daniel chapitre 9 24 27 côté que nous ouais côté que Daniel t'est parlé de un temps des temps et la moitié d'un temps côté que il t'est parlé côté que il dit que yon roi pral vini pral crucifié. Et mais toute prophétie ça yo t'est accompli yo t'est joindre accomplissement yo dans la venue dans la mort de Jésus. Et ben là encore gien prophétie toujours cap accompli. Et ben selon livre apocalypse là et il y a une prophétie qui toujours a accompli les 2300 soirs et matins dans Daniel et nous gagnons et la prophétie de un temps des temps et la moitié des temps prophétie ça et 1260 jours il a tout accompli. Et mais aujourd'hui nous voyons que promesse que bon Dieu fait nous pour que le capable retourner venir chercher nous, c'est une prophétie que lié et prophétie ça il vient pour l'accomplir aussi le retour de Jésus. Li gen pour que prophétie ça capable accomplir sous yeux nous. Et ben non, rivé dans troisième partie leçon 1 qui parlait de 1000 fois plus nombreux. 1000 fois plus nombreux. Ça qui t'est passé. Et ben comme on connaît, bon Dieu t'a fait une promesse à Abraham. Quelques temps, quelques pile années avant, fait une promesse à Abraham, connait que il t'a dit Abraham pour que ou capable quitter pays côté que et aller côté que moi va dicto pour aller. Et il t'a dit Abraham moi va faire de eux même une grande nation. Abraham qui était devenu Abraham m'a va faire de eux même une grande nation. Et Abraham t'a gain problème parce qu'il pas de gain petit, il était âgé de 75 ans lorsque bon Dieu t'a fait le promesse ça. Et pour compte toute histoire non, maintenant bon Dieu te dit Abraham si qu'on pas ca contrôler étoile financière là au pape jamais ca fin contrôler descendant. Ça c'est une promesse, c'est une alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Eh ben nous ouais ça t'est fait vrai malgré désobéissance peuple là. Eh ben nous ouais côté que bon Dieu il est toujours qu'un bé promesse, toujours qu'un bé mol peuple juif là. Yo t'est venu si nombreux lorsque arrivé en Égypte. Eh ben roi égyptien, tout peuple égyptien, yo t'est gain problème pour Jean peuple
bon Dieu en peuple Israël a multiplié, yo te vin nombreux. Eh ben nous voilà lorsque bon Dieu délivré yo, yo continuer quoi en pile mourir à cause de incrédulité yo, mais nouvelle génération yo continue à peupler, y a multiplié. Donc c'est là que nous voyons côté que bon Dieu li organisé yo, mandé à Moïse d'abord et après à Josué pour que organiser peuple bon Dieu yo. Parce que yon peuple pas capable, pas organisé, yon peuple qui symbolise yon assemblée. Et selon mot hébreu, c'est ça que le dit, on assemblée. Le peuple Israël était une assemblée, selon Deutéronome 31, le verset 30. Et selon le Nouveau Testament, et nous gen assemblée qui signifie église, ecclésia, dans Matthieu 16, 18. Eh bien, qui ça que... Qui ça que Moïse li vle di nou la? Qui ça que auteur le son an aussi vle di nou? C'est que on peut, on assemblé, eh bien, yo doué pour qu'yo capable marcher dans l'unité. C'est ça que fait apôtre Paul. Li bay exemple, li bay nou illustration que li utilise dans 1 Corinthiens 12. Li dit que nous formons corps, corps gen en pile membre là-dedans. Mais tout membre yo de fonctionner en harmonie pour que corps capable bien marcher. Eh bien, pour qui ça nous arrive jusque là, c'est pour montrer que le peuple bon Dieu doit organiser. Le peuple bon Dieu doit marcher dans l'unité, doit gagner harmonie dans mitan yo. Malheureusement, je dis à nous un grand pile monde qui soi-disant dit que vous faites partie du peuple de Dieu, vous faites partie de l'assemblée de Dieu et pourtant yo pas remet organisation, gagne un pile qui voulait retirer tête yo pour pas en bas conférence générale. Il y a un problème avec conférence, il y a un problème avec l'union. Eh bien, bonjour. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut que le peuple ayant organisé, il y a un monde à la tête, peuple ayant. C'est ça que lié. Donc, ou même qui dans des ordres, qui a une nouvelle lumière, il n'y a pas qu'un groupe dissident comme ça de Rouen, sauf faire recherche ou rejoindre. Le bâton du berger, les sauterons, Israël, et d'autres encore, Davidiens. On pas qu'un groupe dissident, yo pas vle, yo gen problème avec organisation. Donc yo pour yo même lorsque yo été désorganisé, li pi bon pour yo. Eh ben vinn pour me dire le son ça rappelle que même Jean bon Dieu était organisé peuple liant, eh ben c'est même Jean tout l'église li doit organiser. Ça voyez nous nan parti mercredi qui parlait de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, Jean que me dit c'est en localité que lié, son zone que lié. Côté que zone ça, tout monde qui passait là, c'est en couillon tué de marque. Lorsque yo passé là, yo rappelé yo qui ça t'es fait. Côté que bon Dieu t'es fait en merveille. Bon Dieu t'es détruit en pile nan peuple nan qui t'es appé suivre 8 espions yo, qui t'es rebellé, qui t'es appé fait connaître que bon Dieu vini pour capable détruire yo, faire venir donc bon Dieu besoin pour retourner en Égypte, yo pas capable d'entrer dans pays que bon Dieu te promet yo en vrai, bon Dieu c'est un menteur que lié, yo tendé rap mauvais rapport que espion yo te vinn bay. Et ben dans lieu ça, bon Dieu te tracé un exemple. Bon Dieu te exterminé tout monde qui tapé bay problème. Si ko gen temps on ka li ça dans Nombre chapitre 14, le verset 16. Donc bon Dieu, il était fâché contre eux-mêmes. Donc je dis mes bien-aimés, même lorsque vous capable et retenir dans le sens ça, même lorsque bon Dieu l'y fâché, l'y puni ça pour le punir, l'y détruit monde pour le détruire, mais nous capable comprendre que bon Dieu toujours était un Dieu d'amour. Lorsque au fait volonté, lorsque au obéissant à parole lui, donc vous toujours été pour bon Dieu. Petitli, parce que li remen et promesse que le fait à ou même li ap accompli promesse sa yo. Maintenant ça voye nous dans dernière partie qui très intéressant, l'iniquité des amorites ou amoréens. Peuple amoréen yo. Eh ben les amoréens yo te fait en pile sans couler. Yo te crasé, massacré peuple bon Dieu. Eh ben si ko li dans Deutéronome chapitre 2 11 Deutéronome chapitre 3, 13. Donc, on est capable de comprendre ce qui s'est passé. Donc, bon Dieu, il punit peuple amorite, amorien. Il punit. C'est ça qui fait que il est dit, le Seigneur, notre Dieu,
nous l'a livré et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. En ce temps-là, nous avons pris toutes ces villes et nous les avons frappées d'anathème, les hommes, les femmes, les familles entières. Nous n'avons laissé qu'aucun survivant. Peuple bon Dieu, mais bien aimé, il y a un problème. Parce que il n'y a pas capable de comprendre qui Jean bon Dieu détruit sous route, sous parcours. Lorsque vous entrez dans le pays canarien, lorsque vous prenez l'entrée dans le pays, côté que bon Dieu lui détruit en pile nation, en pile peuple, en pile femme avec Timoun qui est censé innocent. Yo pas qu'à comprendre ça. Peuple n'a dans confusion. C'est ça que je dis en tout. Nous avons pile monde dans l'église qui est dans confusion, qui croit que bon Dieu pas puni monde vrai. Bon Dieu d'amour, yon Dieu compatissant, plein de bonté, pas qu'à puni monde vrai. C'est ça que grand pile monde qui livré dans toute qualité action malhonnête. Parce que yo pas croit que bon Dieu a puni yo. Genan yo qui pas croit que bon Dieu lorsque le Jésus tournait, yo pas croit que a gagné en destruction totale vrai. Ça a lagué confusion même dans mitan aujourd'hui hein. Et c'est ça qui permet en pile monde gon paquet parti dans Bible nan, gen des psaumes dans Bible nan, gen l'autre parti dans Bible nan que yo pas même li yo pas ba yo attention parce que bagay sa yo pas croit dans yo. Eh ben c'est ça que fait apôtre Paul, il dit non que toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3:16. Pas grand rien qui écrit dans la Bible qui pas écrit pour yon but, qui pas écrit pour servir nous yon exemple, qui pas écrit pour corriger nous. Ça veut dire quelque chose ça que lien même si on pas comprendre ni, donc bon Dieu écrit, bon Dieu mettez là pour capable aider nous, pour corriger nous, pour éduquer nous, pour redresser nous. Donc, nous capables, ouais, mes bien-aimés, l'iniquité des Amorites, l'iniquité moun sa yo, t'es si tellement pile. Bon Dieu t'a dit, Moïse, que peuple sa, eh ben, jugement yo, châtiment yo, pour qu'on arrive dans le comble. Avait dit, peuple sa, à cause de l'iniquité yo, et c'est ça qui fait le très important, même dans le commandement yo, il faut qu'on ait que bon Dieu punit. Les punis méchants, yo, punis moun kap fè mal jusqu'à la troisième à la quatrième génération. Ça veut dire, amis, ou besoin pour faire tout ça qui dépend de vous pour éviter faire méchanceté, éviter faire mal. Ansèti moun yo a fait le bien parce que lorsque moi-même avec vous, nous fait crime, nous fait méchanceté, nous fait ça pas ça, nous commettons pile infamie, en pile iniquité, eh ben, n'a payé conséquences là. Non seulement ou paye conséquences là, petit ou paye jusqu'à quatrième génération. Ça la Bible dit, hein? La Bible c'est oui et amen. Eh ben prends précaution pour que bagaille comme ça pas arriver, pour que vous apprenne pour faire bien et encourager petit ou à faire aussi du bien, parce que les nous fait mal, nous fait un pile crime, nous fait un pile méchanceté. Eh bien, n'a payé jusqu'à quatrième génération. Bien, c'est un petit bout de résumé ça que nous sommes capables de porter pour vous sur leçon 1 pour ce maintenant. Nous avons étudié leçon 2 qui vient pour titre le cours d'histoire de Moïse. Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans 1 Corinthiens 10, 3, 4, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Et maintenant, mesdames, messieurs, juste avant que nous passions dans la lecture du jour, la lecture de la Bible, nous invitons à auditionner ce morceau instrumental. Thank you.
Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici la lecture du jour, la lecture de la Bible. Comme vous connaissez, nous encore à l'exploration du livre de Luc. Et pour journée aujourd'hui, vendredi 8 octobre, nous arrivons dans le 20e chapitre. Il est dit, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent. Et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité je fais, par quelle autorité je fais ces choses. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent à Dieu, « Me plaise !» Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ?»« La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et il envoyait des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César? » répondit-il. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple. Mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Quand les 7 l'ont eue pour femme, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent les femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir
et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole et dire « Maître, tu as bien parlé » et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?» David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit « Mon Seigneur, assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la lecture du 20e chapitre du livre de Luc. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avançons vers le beau milieu du programme, juste avant que nous entrions dans partie de réflexionnons avec le Seigneur, côté que nous allons nous confesser, nous allons parler à notre Dieu pour lui demander pardon, puisque par grand rien en nous qui bon, rien en nous qui propre, mais nous besoin pour que nous capables approcher nous de son trône de grâce pour que nous demander le pardon. Et pour que nous fassions ça, n'a pas invité à chanter ensemble au numéro 234. Jésus frappe à la porte. Ouvre-lui. Thank you.
maintenant, on a invité à lire ensemble le psaume 51. Nous lisons le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, nous offrirons des prières sur ton autel. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de confession, il sera fait par notre bien-aimé frère Colbert Saint-Fleur. Nous avons invité à chanter un couplet du numéro 247. Reviens à ton père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Sanctifié, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Frère, notre Rédempteur, nous voici humblement agenouillés, prosternés devant ton auguste majesté ce matin à l'aube du jour pour faire monter vers toi notre vie de louange, de remerciement et d'action de grâce. Pour la semaine passée à l'ombre des ailes. Pour des bons pour nous, pour garder nous, pour protéger nous, pour prendre soin de nous. Et ce matin encore, pour une nouvelle chance, pour frapper porte que nous, pour inviter nous, Seigneur, pour nous capables d'ouvrir que nous, ouvrir une porte que nous à nous-mêmes, et pour tout prêt, pour capable d'entrer, pour capable de siéger dans nous. Nous, pour après nous devenir des hommes et des femmes, nés de nouveau et marcher avec vous dans une nouvelle direction. Nous remercions pour le sacrifice de Jésus sur la croix qui va nous accès devant le trône de la grâce pour nous approcher nous ce matin.
merci pour beauté ou qui pas jamais épuisé, pour compassion qui pas jamais terme. Et chaque matin, vous révélez beauté ou envers nous, nous vous remercions. Nous venons matin pour nous capables de prendre pardon pour tout péché nous commettons devant nous. Nous péchons devant nous par pensée, par parole, par action, par tout. Nous faisons nous-mêmes nous poser à nous, volontaires ou involontaires, demandons au Seigneur capable de pardonner nous. Lavez-nous dans le sang de Jésus. Permet au Dieu pour capable. Pour ton royaume éternel. Ce matin, nous demandons au Seigneur pour faire nous grâce, car nous-mêmes sommes Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Pour être tout ça qui a passé dans la terre, et rien pas pour aller pour vis. Parce qu'on te dit, l'amour, l'on va finir. Tout le monde va reconnaître un pile de tracas. En plus, calamité va tomber. Nous demandons au Seigneur pour capable d'épargner nous, pour cacher nous dans la paume et inscrire nous dans le livre de vie. Permet aux dieux de nous capables de sauver qu'on va venir dans le règne. Matin, c'est un privilège béni pour nous approcher devant le trône de la grâce. Et ma présenté pasteur dans le cabaret céleste. Je présente madame, famille pasteur, famille, et je présente toute famille, tous les trois églises. Sœur, vous connaissez-nous mieux que nous-mêmes. À ton regard de flamme, il n'est couvert, il n'est caché. Nous demandons capable de pardonner nous, capable de laver nous dans le sang de Jésus. Il permet aux dieux que nous capables de prendre une nouvelle direction et une nouvelle feuille, même soit vie nous, et permettre nous de marcher de victoire en victoire. Et nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas capoter victoire. Et grâce à le Saint-Esprit, grâce à les bons anges que vous mettez à notre service, on va aider nous à marcher avec vous dans les beaux jours, même dans les mauvais jours, et qu'on a pas attaché à vous-mêmes. C'est vous-même qui invitez nous matin à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qui a envie de chercher face au Seigneur? Pas chercher présence ou pas chercher face au Seigneur. Pas écrit nous. Faites-nous grâce. Demandez au Seigneur, on va avec le pasteur Jean-Michel. On va pardonner péché. On va bailler son santé spirituelle. On va permettre que chaque jour, il est capable d'approcher plus près de nous. Il va puiser dans la source intarissable là. Et nous-mêmes, on va faire nous capables de comprendre, Seigneur, les méditations, les paroles, parler chaque jour, chaque matin avec nous, et que nous capables de convertir. On va délaisser toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais traits de caractère. Et que nous sommes capables de marcher avec le Seigneur. Demandez au matin, on va avec les trois églises, avec tout le monde qui est sur ligne, sur le téléphonique, sur Facebook, tout le monde qui attend le matin. Permet au Dieu, nous sommes capables de prendre une nouvelle disposition pour marcher avec le Seigneur. Car nous, afin de toutes choses privées, aidez-nous, Seigneur, à nous préparer. Et que lorsqu'on va venir dans le réo, et que nous sommes capables de compter parmi les sauvés. On va avec le pays que nous vivons là, le pays des États-Unis qui va nous accès pour vivre là-dedans. On va bénir le pays assyrien, on va bénir les dirigeants, on va permettre aux dieux capables d'inspirer une vision pour capable faire. Bon bagage dans la prière, et que parce que la paix capable de prier, l'évangile capable de prêcher, que la dernière âme qui devrait être sauvée doit venir à toi avant que la porte de grâce soit fermée. On va bénir, Seigneur, pas oublier, Seigneur, béni notre pays natal. On voit comment tout va passer
Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Seigneur, c'est vous-même qui créez nous à ton image et à ta ressemblance. Vous mourrez pour ne pas essayer tout. Dis un mot, Seigneur, parce que nous ne savons pas à qui aller, à qui quoi. Mais nous croyons que c'est le bagaille, nous croyons à vous-même, celle, dépense nous à venir de vous-même. Avec nous, Seigneur, consolez-nous avec les immigrants qui trouvaient à Rio, des Rio, qui trouvaient à Saint-Antonio, et en plus, l'autre qui a venu, Seigneur, vous-même, dis un mot pour nous, fait pour nous-mêmes au-delà de nos espérances. Bénis la journée devant nous, bénis ce sabbat qui a approché vers nous. Permet que nous sommes capables d'approcher devant vous avec une entière Seigneur, et nous sommes capables d'approcher que vie nous, capables en règle avec vous, et que les bénédictions du ciel capables de déverser sur nous en abondance, et que nous sommes capables d'approcher plus près de vous. Fait pour nous au-delà de nos demandes, avec tout le monde qui nous anime, Seigneur. Permet au Dieu capable de faire des bonnes provisions. Et pour nous, de la demande avec le pardon de nos péchés, nous clamons toutes ces grâces et ces faveurs au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen, amen. Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Et maintenant, mesdames, messieurs, comme vous savez, aujourd'hui est vendredi. Donc, nous n'avons pas de petite causerie, non, genre que nous avons habitué à gagner chaque jour, puisque nous gagnons un petit moment de témoignage chaque vendredi matin. Donc, c'est le moment pour que vous soyez capable de saisir l'occasion pour que vous soyez capable de dire qui ça, mon Dieu, fait pour vous publiquement. Et lorsqu'on fait ça, pas oublier qu'il y a deux buts et vous dire, montrer, mon Dieu, reconnaissance ou gratitude envers lui, pour ça, le fait pour vous. Et deuxième objectif, non, c'est que vous encouragez l'autre frère, l'autre soeur qui a subi la même situation que vous êtes là-dedans. Mais lorsque vous apprenez que les gens, bon Dieu, délivrez-vous, vous prenez courage, vous même tout, vous avez espéré très bientôt pour que vous délivrez tout. Et bien, c'est dans ce sens ça qu'il faut témoigner. Donc, pour que, juste avant que nous entrions, nous capables ouvrir les lignes pour que vous capables dire deux mots. Pas bien, nous gain place seulement à deux monde chaque vendredi. Nous prenons seulement deux monde qui voulait dire qui ça bon Dieu fait pour yo dans la vie. Mais juste avant, nous avons invité à chanter au numéro 517, tandis que nous avons fait casse louange pour le Seigneur. 517, je chanterai ton grand amour l'hiver, l'été, la nuit, le jour.
déclare dans Psaume 116, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Zamim ou même qui attendait un peu partout, quel que soit à côté courrier, est-ce que l'Éternel fait du bien à vous-même? Est-ce qu'on rappelle un jour côté malade que vous criez à l'Éternel et les guérit? Est-ce qu'on rappelle que un jour où t'es gain autant de difficultés, où t'es gain gros problèmes, où pas qu'on ait qui pied pour mettre devant, eh ben où t'es imploré l'assistance de l'Éternel, eh ben il t'est secouru, il t'est venu à secours? Est-ce que qu'on rappelle qui dernier là côté autant danger? Et l'Éternel, il te retire là-dedans. Mais si oui, vous rappelez au bagage ça yo, ou bon raison matin pour que vous capable louer l'Éternel. Ou bon raison matin pour que vous capable faire louange pour lui. Ou bon raison matin pour que vous capable raconter merveille à l'autre monde afin que au même tout, vous capable connaître qui ça que le Seigneur capable faire pour vous tout. Ou même cap souffrir. Qui a gros douleur dans moment ça. Eh bien, est-ce qu'on rappelle qui Jean dans le passé, bon Dieu t'a guéri? Eh bien, si oui, dans le passé, il t'a guéri. Il t'a guéri encore. Et ou même qui, que médecin, pas qu'à faire un pour encore, rappelez-vous que il n'y a jamais trop tard pour Jésus. Eh bien, Zamim, n'a pas demandé si que vous t'avez dit un mot. Vous avez raconté ça que le Seigneur fait pour vous. Vous capable de composer étoile nan, numéro 6. Nan. Et vous capable de dire Amen. Et m'attendez-vous, m'a un signal. Nan. Et vous capable de dire deux mots pour raconter ça, bon Dieu fait pour vous. Peut-être dans la semaine, nan, peut-être dans le mois, peut-être dans l'année, peut-être yon bagay qui est passé l'année passée. Ou dans la vie. Ou. Donc, juste avant que yon moun capable prêt pour le faire ça. N'a continué tim bout louange dans n'a chanté au numéro 287 exaltons notre divin maître dont l'amour ne saurait changer. Donc vous capable à n'importe quel moment composer étoile dans numéro 6 et dit Amen. Thank you.
ça que le Seigneur fait pour vous en quelques mots. N'a demandé au capable composer étoile nan, numéro 6 nan, et dit amen et que au capable dit deux mots dans ça que bon Dieu fait pour vous et ça capable encourager yon frères et sœurs qui a passé même situation. En attendant, puisque pas gen moun qui veut témoigner, eh ben n'a continuer ti bout louange nan, n'a pas chanter au numéro 290 pendant que nous a chanté si qu'on voulait dit deux mots capable composer étoile numéro 6 et dit amen. Pour témoigner, pour dire ça que mon Dieu fait pour vous, ben moi-même m'a saisi l'occasion pour me dire bon Dieu merci pour tout ça que le fait dans la vie, m'a dit merci parce que il continue à prendre soin moi, prendre soin famille moi, madame moi, timon yo, quel que soit à côté que yo yé, il permet que nous pas recevoir mauvaise nouvelle, donc nous dit bon Dieu merci. N'a continuer béni noni, n'a continuer travailler pour lui et n'a continuer faire la planche dans même que non capable glorifier exalter d'âge en âge d'éternité en éternité pour tout ça que le fait dans la vie. Et maintenant mesdames messieurs, nous arrivons dans moment côté que nous allons passer dans la dernière partie du programme, la partie de l'intercession. Donc on a prié mon Dieu pour que le capable fait qui choisit pour nous. Donc est-ce que mon Dieu c'est merveille que le pas fait pour nous? Est-ce que mon Dieu c'est soin que le pas prend de vous qui fait que ou pas jamais gain un mot de témoignage pour qu'on témoigner? Seulement deux témoignages que nous prend deux monde seulement que nous mandé les vendredis, mais pas jamais gain un monde qui voulait témoigner. Est-ce que ça veut dire bon Dieu pas fait pour nous? Eh bien, pas rester quoi ça, pas quoi que mon Dieu pas fait qui choye dans la vie, non. Tout simplement, nous capables de parler témoigner, cependant pas oublier témoignage, non. Lorsqu'on témoigne pour mon Dieu, on fait éloge pour lui, li bon plus, li fait plus pour vous, pas jamais oublier ça. Bien, mes chers amis bien-aimés, psalmiste, non, li déclaré dans Psaume 150. Il dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et mes amis, nous arrivons dans un moment côté que nous allons frapper au chien, hein? Nous allons présenter des noms by le Seigneur, et bien les mêmes qui connaissent qui ça que moun sa yo a traversé, les mêmes qui connaissent qui ça que moun sa yo a besoin, et bien nous restez quoi que li va agir en faveur yo. Mes amis, ou même cap souffrir, quelle que soit la situation, hein? Même lorsque ta va ouais situation a empiré dans main ou
pas découragé, pas bay tête au problème, parce que Jésus li pro li fidèle dans promesse li yo. Et tout autant que ouais bagay yo a bin pi mal, eh ben entre pi fond dans bras Jésus, entre pi fond dans bras li, connecté plus sou li, et ou va ouais merveille que il va faire pour vous. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond, le béant sous mes pas. 3:18. Éternel Dieu des cieux, roi des rois, c'est avec un cœur reconnaissant, un cœur contrit, que nous présentons par devant ton trône de grâce par la prière en cette matinée. Nous venons devant Seigneur parce que nous n'avons pas l'autre ressource, nous n'avons pas l'autre appui, nous n'avons pas l'autre refuge, sinon que nous sommes. Nous venons devant pour que nous disions merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout bienfait ou yon envers nous. Yon en pile, Seigneur. Bonté ou envers nous, nombreuses. Non pas même qu'à fin énumérer ou. Mais n'a pas d'autant prix. Puisque nous continuons à faire ça que passe devant nous. N'a pas d'autant prix pas entrer en jugement avec nous. Fais-nous grâce. Et nous gagnons assurance que dans le moment de réflexion, moment de confession, que vous pardonnez nous déjà. Nous gagnons assurance qu'on déjà lavé nous dans le sang de Jésus. Et puisqu'il en est ainsi, nous gagnons ferme assurance, nous gagnons confiance que pas grand rien qui est capable de dérouter nous, qui est séparé nous de nous-mêmes, pas grand rien qui est empêché que prière nous yo monté devant trône de grâce et que yo a descendre sur nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Matin, nous voulons dire merci pour le privilège qu'on ban nous pour que nous en pied. Nous levons toute petite ou yo Seigneur qui branche un peu partout sur réseau yo, quel que soit à côté que y a suivre nous à l'heure de la délivrance, malgré que nous fait face à difficulté. Mais Seigneur, toujours ban nous moyens, ou toujours ban nous, ou toujours montrer nos façons pour que nous capables diffuser bon programme ça à petit yo qui toujours branché. Nous disons merci pour ça. N'a pas au Père, yo chaque qui monte sur réseau yo a fait face à une difficulté. Y a fait face à un problème qui différent yon l'autre. C'est ou même seul qui compte ça qui a demandé ou ça qui a cherché dans main. N'a pas d'eau, jete un regard de pitié, jete un regard favorable sur yo, et permet au Dieu que journée ça, est capable bonne pour yo, est capable agréable pour yo. Tandis que, Seigneur, c'est le jour de la préparation de ton Saint Sabbat. N'a pas d'eau, va permettre au Dieu que yo capable, ouais, merveille faite pour yo au cours de cette journée,
yo capable voir miracle opéré devant Dieu yo et comme ça nous capable continuer glorifier sous lève yo d'éternité en éternité et que yo capable aller dire l'autre qui ça qu'on fait pour yo et en pile l'autre monde yo va avoir une forte confiance yo va adorer yo va servir yo. Seigneur Dieu nous pas jamais suspendre pour nous lever le pays d'Haïti devant ou connaît pays en papa de jour en jour bagay yo a pi mal de jour en jour l'homme a vinn pi méchant mais n'a pas d'eau que volonté au fait Seigneur que volonté au fait puisque nous-mêmes nous pas ka fait rien nous pas ka changer rien mais gon raison qui fait que tout ça qu'a fait yo ou qui t'a a fait donc n'a pas d'eau tant pri que volonté au fait et jeter un regard sur petit ou yo ka prio dans pays là nous lever tout émigrant devant Seigneur tout côté que yo yé dans moment ça nous apprendre nouvelle yo papa tout partout yo levé yo prend route qui dangereuse n'a pas d'autre temps pris dis un mot Seigneur dis un mot nous ouais que nous a vivre vraiment dans les derniers jours mais n'a pas d'autre temps pris dis un mot Seigneur et béni et protégé tout monde Seigneur qui fort confiance qui croit en vous permet au Dieu que yo capable sentir présence au avec yo dans quelle que soit situation que y a fait face au matin on voulait mander yo miracle pour Nal Saint-Just avec famille ni yo miracle pour Maurice Duterval et famille yo miracle pour Élise Noël et famille yo miracle pour Caroline Philogène yo miracle pour Ali Jean-Baptiste et famille yo miracle pour Jeffrey yo miracle pour Diomène Belfort et famille yo miracle pour Marie Prague et famille yo miracle pour Marie Loud yo miracle pour Max André Ernest et famille yo miracle pour Itnel Emile et famille yo miracle pour Lucita Dorélie et famille yo miracle pour Marthe Auguste et famille yo miracle pour la petite Samuel yo miracle pour Rosanna Liancin et famille yo miracle pour Marie Christine yo miracle pour Jean Destin yo miracle pour Joël yo miracle pour Joseph Kaimit et famille yo miracle pour Emmanuel Etienne et famille yo miracle pour Antenor Médor et famille yo miracle pour Ludy Saint-Fort et famille yo miracle pour Patricia et famille yo miracle pour Nandi Gilles et famille yo miracle pour Mona Gilles et famille yo miracle pour Daphné Kwasi et famille yo miracle pour Awol Kwasi n'a pas de délivrance pour Darlene Paul et famille délivrance pour Brisson Pirono délivrance pour Eduana McLennan délivrance pour Eden Barrett délivrance pour Judah Jackson délivrance pour Mark Belfort délivrance pour Onis Termeus délivrance pour Vladimir Asius délivrance pour Pasola Jean Charles délivrance pour Alberta Majus et famille délivrance pour Serette Prévillon et famille délivrance pour Katiana et famille délivrance pour la famille McDonald délivrance pour Serette Colin et famille délivrance pour la famille Ulysse, délivrance pour la famille Saint-Ulysse, délivrance pour la famille Philo-Saint, délivrance pour la famille Montina, délivrance pour Rosen Jacques et famille, délivrance pour Yvette Duterval, délivrance pour Yvette Garçon et famille, délivrance pour Marcel Aurélien et famille, délivrance pour Nadia Augustin et famille, délivrance pour Marcel Augustin et famille, délivrance pour Bethsaïda Massena, délivrance pour Martine Saint-Just, délivrance pour Cherline Sylvain et famille, délivrance pour Hélène Benoît et famille, délivrance pour Jeanne Destin et famille, délivrance pour Eriline Metellus et famille, délivrance pour Inode Guerrier et famille, délivrance pour Lionel Dorelli, délivrance pour Lionel Joseph et famille, délivrance pour Marc Eli, délivrance pour Linda Duval, délivrance pour Anicia Desrosiers, délivrance pour Carlo Jérôme, délivrance pour Ginette Basile et famille, délivrance pour Angie Metellus, délivrance pour Mirland, délivrance pour Niveline Parisien, délivrance pour Sidoine Giraud, délivrance pour Roberto Osier, délivrance pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille, délivrance pour Jessica Latonelle, délivrance pour Rose Docteur, délivrance pour Jonathan Lebon, délivrance pour Marie Tony. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Annie Parisien, yon miracle pour Mia, yon miracle pour Willan Devra et famille, yon miracle pour Marie-Claire Pierre et famille, yon miracle pour Guerlain Ulysse et famille, yon miracle pour Nehemiah Fontaine, yon miracle pour la famille Derifon, yon miracle pour Marilyn Castin, yon miracle pour Juline Placide, yon miracle pour Michael Placide. Yo miracle pour Lacajus, yo miracle pour Mackenzie, yo miracle pour Elicia Valérie, yo miracle pour Elijah, yo miracle pour Benito lui, yo miracle pour Joshua, yo miracle pour Berlin Joseph et famille, yo miracle pour la famille Petit Homme, yo miracle pour Valentin, yo miracle pour Jacqueline Exumé, yo miracle pour Betty Jordan, yo miracle pour la famille Jordan, yo miracle pour la famille François en cette matinée. N'a pas de délivrance pour Yoline Etienne, délivrance pour Adèle Etienne, délivrance pour Amani Etienne. Délivrance pour Christina Etienne, délivrance pour Marie Bojla et famille, délivrance pour Agnès Pirono, délivrance pour Marie-Josette Pirono, délivrance pour Jolika Saint-Vilus et famille, délivrance pour Cynthia Petit Homme, délivrance pour Marie-Kélie Joseph et famille, délivrance pour Guerline Absalon et famille, délivrance pour la famille René,
délivrance pour la famille Joseph, délivrance pour Marley, délivrance pour la sœur Armand, délivrance pour Janelle Dieu l'homme, délivrance pour Marie-André, délivrance pour Wisdite Civil, délivrance pour Yassine Jenkins, délivrance pour Edna Majus, délivrance pour Wilder Pacombe, délivrance pour Julna Kajus, Napmando, délivrance pour Martine Limage, délivrance pour Michel Dubisson et famille, délivrance pour Judith Phileus et famille, délivrance pour Myrlène Kajus et famille, délivrance pour Magali Etienne, délivrance pour Claude Etienne, délivrance pour Hankins, délivrance pour Franz Simon. En ce moment de la délivrance, Napmando, yon miracle pour Fernel Valérie, yon miracle pour Nicole Exil, yon miracle pour Anthony, yon miracle pour Frances Excellent, yon miracle pour Kerline Telusma et famille, yon miracle pour Sam Eli et famille, yon miracle pour la famille Salomon, yon miracle pour Roselyne, yon miracle pour Judnel Mirtil, yon miracle pour Mac Daniel Mirtil, yon miracle pour Gaël Mirtil, yon miracle pour Wendel Pierre, yon miracle pour Udel Nicolas Pierre, yon miracle pour Den Pierre, yon miracle pour Elvani Pierre, lui et famille, yon miracle pour Berto Pierre, lui, yon miracle pour Marie-Thérèse Faustin, yon miracle pour la famille Félix, yon miracle pour Dadelicha Félix, yon miracle pour Rosine Narose, yon miracle pour Carole Estimé, yon miracle pour Stéphane Baptiste, yon miracle pour Naïcha Baptiste, en ce moment de la délivrance, Napmando, yon miracle pour Joël Charles, yon miracle pour Pasteur Joël, yon miracle pour la famille Mon Premier, yon miracle pour la famille Ozi, yon miracle pour Neika Louis Washington, yon miracle pour Stéphane Alphonse, yon miracle pour Steven Saint-Just, yon miracle pour Michael Jolie Saint-Jean. Napmando, délivrance pour Gary Joseph, délivrance pour Pasteur Raymond Val, délivrance pour la famille Bellamont, délivrance pour Fabiola Bellamont, délivrance pour Wesley Chéron et famille, délivrance pour Janine Valérie, délivrance pour Hermia Valérie, délivrance pour Kempes Prévillon, délivrance pour la sœur Adrien, délivrance pour Claire Denise Andréville, délivrance pour Julien Talusmé, délivrance pour la Merci Charles, délivrance pour Rosanna Exantus et famille, délivrance pour Liliane et famille, délivrance pour Jean Wadner Jean-Baptiste, délivrance pour Ashton Jean-Noël, délivrance pour Whitney Syriac, délivrance pour Anitan Syriac, délivrance pour la foi Maxi Ferry, délivrance pour Roseland Louis, délivrance pour Caroline Louis, délivrance pour Myrlène Doris Carr. En ce moment de la délivrance, la pandeur yon miracle pour Juan Carlos, yon miracle pour Whitney Augustin, yon miracle pour François Duméran et famille, yon miracle pour Bachena Duméran, yon miracle pour la famille Fleurant, yon miracle pour Caroline Moïse et famille, yon miracle pour Juliana Augustin, yon miracle pour Style Lavoisi, yon miracle pour Fanny Lissib, yon miracle pour Pasteur Daniel Ménard, yon miracle pour Lomendor Saint-Ville, yon miracle pour Maxi Vincent, yon miracle pour Aldi Clédix, yon miracle pour Lémi Bernard, yon miracle pour Antsi Jean-Baptiste, Napmando, délivrance pour le grand Jean-Baptiste, délivrance pour Mimo Jérôme et famille, délivrance pour Martine Jean et famille, délivrance pour Sabine Carrière, délivrance pour Bermude Saint-Foy et famille, délivrance pour Hildeluis Vital, délivrance pour la famille Josapha, délivrance pour Elijah Giovanni, délivrance pour Elijah Petit-Homme, délivrance pour Frère Delis, délivrance pour Claude Saint-Claude, délivrance pour Myrlène Petit-Homme, délivrance pour Vedette Orius et famille, délivrance pour Gina Baptiste, délivrance pour Myrlène Cadet et famille, délivrance pour Marcel Gélin, délivrance pour la famille Morancy, délivrance pour la famille Danda, délivrance pour la famille Éloi, délivrance pour la famille Ovilmar, délivrance pour la famille Saint-Paul, délivrance pour la famille Paul, délivrance pour la famille Alexis, délivrance pour la famille Gilles, délivrance pour Franz Montina, délivrance pour Keden Elijah Salomon, délivrance pour Libni Achelus et famille, délivrance pour Viviano Vicaris, délivrance pour Myriam Vicaris, délivrance pour Lucas Vicaris, délivrance pour la famille Saint-Fleur, délivrance pour la famille Victor. En ce moment de la délivrance, Napmando, yon miracle pour Charlotte Hulette, yon miracle pour Patricia Raymond, yon miracle pour James Louis, yon miracle pour Nadège Louis, yon miracle pour Sarah Paulena, yon miracle pour Fanel Garius, yon miracle pour Morissette Verwil, yon miracle pour Daphné Jean-Baptiste, yon miracle pour Esther Nicolas, yon miracle pour Janine Benjamin, yon miracle pour Myrna Luxeus, yon miracle pour Nadège Jean-Baptiste, Napmando, délivrance pour Hermine Salomon, délivrance pour Tanisha Fizeme et famille, délivrance pour Lévi Joseph et famille, délivrance pour Nadège Jacques et famille, délivrance pour Segan Pluie, délivrance pour Tatiana Pérévos, délivrance pour Nathan La Rose, délivrance pour Nadège Sanon, délivrance pour Jessie Saint-Ville et famille, délivrance pour Lude Jacques, délivrance pour Ketia Desulmé. En ce moment de la délivrance, Napmando, yon miracle pour Antoinette Norzil, yon miracle pour Amanda Norzil, yon miracle pour Ronaldo Mondésir, yon miracle pour James Lidojouan, yon miracle pour Roseland Metellus, yon miracle pour David Jean-Baptiste, yon miracle pour Marie-Lou Jean-Charles, yon miracle pour Carl-Henri Destin, yon miracle pour Sandra Odigé, yon miracle pour Verline Julien, yon miracle pour Dave Deramo, yon miracle pour Noël Zira Thomas, yon miracle pour Fleurette Jean-Paul et famille, yon miracle pour Julie Munga, yon miracle pour Sidonie Joseph et famille, yon miracle pour Paulette Bastien et famille, yon miracle pour Dr. Nancy Ali,
Yon miracle pour Jean-Marie, Polycap et famille. On abandonne délivrance pour Weber, Elie et famille. Délivrance pour Junia Lamont. Délivrance pour Ilando, Alando Fin et famille. Délivrance pour Yannick Monesca et famille. Délivrance pour Anne-Béatrice Thomas. Délivrance pour Francis Jean-Gilles. Délivrance pour Denis Chéri-Louis. Délivrance pour Anicia Philosin. Délivrance pour Marie Irma Cédois. Délivrance pour Angela. Délivrance pour Adrienne Benoît et ses filles. Oh, en ce moment de la délivrance, grand pilote pour notre Dieu qui besoin merveille. Il a besoin de délivrance faite pour yo. N'a pas d'eau, fait miracle, fait guérison. Puisque nous connaissons Seigneur, pas grand rien qui est possible à vous-même. N'a pas d'eau, frappe et pio pour moun sa yo. Oh, si la yo qui en danger dans le moment ça, ou connaît yo, ou non yo. Grand pilote Seigneur qui a suivi le programme ça. Non pas à gen non yo, non pas contre qui ça que yo besoin. Non pas contre qui ça qui a cherché la main. Mais pour que non, capable de glorifier. N'a pas d'eau, frappe et pio pour yo. Fait miracle pour yo, fait délivrance pour yo, afin que tout le monde, toute bouche capable de confesser que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On nous voulons assurance qu'on t'a décrit nous. Nous voulons assurance qu'on a fait merveille pour nous. Nous voulons assurance qu'on a fait miracle dans la vie petit yo. C'est pour nous capable de glorifier. Voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous êtes branché à l'heure de la délivrance. Il y a un programme qui passe sur le réseau chaque matin, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30. Nous vous merci parce que vous avez suivi l'heure de la délivrance. Donc, il y a un frère encore en même. Nous présenter excuses avec apparence façon que nous présenter un programme le matin sur réseaux sociaux parce que Jean comme dit hier moi fait face à un problème gain ordinateur qui gain problème li en réparation cependant moi joine une alternative quand même matin pour que me capable diffuser programme là sur réseaux sociaux et à tout le monde qui était inquiété parce que pas ouais l'heure de la délivrance diffusé hier spécialement les amis nous qui a suivi nous depuis en France qui était inquiète qui était la sœur Célimi qui était vraiment une note ban moi pour le connaître qui jamais est-ce que moqué parce que le patandem donc nous avons beaucoup de chapeau by notre bien-aimée sœur Célimi qui côté nous depuis dans pays la France depuis quelque temps les a apprécié émission ça et bien n'apmando ma sœur nous dit merci et continuer inviter yon l'autre ami à suivre l'heure de la délivrance et quel que soit côté pays que ou a suivre nous que ou au Chili que dans pays Brésil que ou en Haïti quel que soit côté que ou a suivre l'heure de la délivrance eh ben nous apprécier que et service ou que ou toujours connecté eh ben n'a mande continuellement de yon l'autre ami pour connecter afin que programme ça est capable toucher beaucoup plus de gens que possible. Et mes amis, c'était serviteur pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Donc, je souhaite une bonne journée de préparation du sabbat. Puisque je dis, hein, c'est le jour de la préparation du sabbat. Ou même qui peut rentrer dans le sabbat l'éternel, hein, le sabbat du septième jour, qui peut observer le sabbat de l'éternel. Et même pas quitter trop tabarré aux amis, parce que dans le ciel, hein, on va observer le sabbat. Sur la nouvelle terre, on va observer le sabbat. Et si que sous terre là, ou piétinel, ou rejetel, et bien, ou pas qu'à dans le ciel là. Et mes amis, il n'y a pas trop tard pour vous. Nous souhaitons à tout le monde bonne préparation du sabbat. Et déjà, il y a un bon sabbat dans le Seigneur. Pas oublier que ou même qui peut rentrer dans le repos sabbat, ça, c'est pour vous lier tout. Mabzo, au revoir et à dimanche matin. Pas oublier, nous ne pouvons pas travailler demain. Demain, c'est congé. D'abord, rendez-vous à dimanche matin pour un programme pareil. Au revoir. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Regarde en Éden, il était déjà. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Abraham l'a observé. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui fait partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël au mont Sinaï? Dieu dit souviens-toi. Pourquoi tu dis c'est fait pour Israël? Sur la terre promise il sera encore. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Toi qui fais partie du peuple de Dieu, le sabbat est fait pour toi. Et voilà, mesdames et messieurs, le sabbat est fait pour toi. Eh bien, une fois encore, nous disons merci parce qu'on t'a suivi l'heure de la délivrance. Eh bien, nous bon rendez-vous à dimanche matin, dimanche prochain, pour un programme pareil. Bonne fin de journée et bonne préparation du sabbat. Au revoir.